Bonjour. La vie, c'est souvent un grand défi, comme cette harpe qui me permet de réfléchir. Nos journées, semaines peuvent être tout croche. Il faut continuer jusqu'au bout, même si c'est difficile. Il n'y a rien de mieux pour arriver à résoudre un problème dans la vie. Regardez la force de la vie. L'arbre cherche la lumière. Il finit par contourner et se redresser. C'est incroyable. Thomas Merton, dans un de ses livres, nous parle de lui, de son choix de vie, la solitude, et tout en nous donnant un brin de courage. Voici ce qu'il dit. Je comprends de plus en plus que la solitude n'est pas une chose avec laquelle on joue. C'est mortellement sérieux. Si grandement que je l'ai cherché, je n'ai pas été assez sérieux. Ce n'est pas suffisant d'aimer la solitude ou même de l'adorer. Même si vous l'aimez, elle peut vous dévaster. Je crois, si vous la désirez seulement pour vous-même. Donc, je vais de l'avant. Je ne crois pas que je reviendrai en arrière. Même intérieurement, j'ai atteint au moins relativement un point de non-retour. Mais j'y vais avec crainte et tremblement, souvent avec un sentiment d'être perdu, essayant de faire attention à ce que je fais, car je commence à comprendre que chaque faux pas se paye cher. Par conséquent, je me replonge dans la prière ou essaie de le faire. Il y a aussi une grande beauté et paix dans cette vie de silence et de vacuité, et en même temps une terrible désolation. Quand quelqu'un est insignifiant, même la beauté de la vie soudain apparaît implacable. La solitude est une mère sévère qui ne tolère aucune absurdité. La question se pose, si suis-je si plein d'obscurité qu'elle me chassera? J'espère que non. Et je pense que cela demandera beaucoup de prières. Ah, j'aime beaucoup la façon qu'il termine en nous disant, je pense que cela demandera beaucoup de prières. Il ne faut pas croire ici qu'on vit notre vie sans Dieu. Dieu est réellement là, à t'aider à te redresser comme cet arbre. Bonne journée à toi.